c'était ironique. Non plus. Ah, ah, c'est un rapport avec Valérie Lemercier. Non, mais il y avait peut-être un deuxième degré, mais ça je l'ignore. J'imagine qu'il y avait un deuxième degré. Il faisait des jeux de mots à tout. Non plus. C'est un rapport avec Océan Records. Pardon. Vous avez votre ordonnance. C'est un rapport avec Océan Nox. Non, c'est lui qui a écrit des comptables de l'économie de la mer. Il y a Anders Radcross. Ah, l'Académie française. Il lui a succédé à l'Académie française. Il lui a succédé à l'Académie française. Et donc, il a fait tout ce qu'il a fait. L'éloge, c'est la tradition. On doit faire l'éloge de celui à qui on succède au fauteuil de l'Académie française. Et Victor Hugo a succédé au fauteuil de Nepomucène de Mercier. Voilà pourquoi il a été obligé d'en dire le plus grand bien. Bonne réponse de Bernard Lapine. Le fauteuil numéro combien? Le fauteuil numéro 14.